Hervé Sionneau, vous allez présenter Deus Ex Machina dans le Quintet mercredi à Argentan. On a l'impression que pour lui, en général, c'est un peu tout ou rien, hein. Oui, ces dernières perces laissent entrevoir ce que vous dites, c'est-à-dire que il y a trois victoires et puis des petits changements. Il a déjà fait des séries un peu ad hoc. Voilà, la dernière fois, je ne m'explique pas trop sa faute parce que c'était en course. C'est pas trop son habitude à cet endroit-là. D'accord. Voilà, il s'est un petit peu emmêlé les crayons. Peut-être a sauté une petite, il a peut-être même sauté une ombre sur la piste parce que c'est l'impression qu'il a laissé à certains. Bon, je sais pas trop, mais c'est plus motif qu'on était. On était au galop. D'accord. Mais il n'est pas à l'abri d'une faute autrement, quoi, c'est ça. Alors même s'il est quand même plus sûr qu'il a été, hein. D'accord. Mais effectivement, il est quand même, c'est quand même pas un choix dans lequel on peut avoir entièrement confiance. En tout cas, vu ça, ses bonnes dispositions de l'été, là, il trouve un bon engagement à Argentat, autrement, hein. Ouais, je pense qu'en tête, s'il fait sa valeur, il a une chance de participer activement à l'arrivée, je pense, hein. Voilà. Donc ce sera juste un petit peu une question de sagesse, alors. Ouais, il est moins, un peu moins à l'aise sur les. Enfin, c'est à Vincennes que je le préfère parce que c'est la piste la plus pratique pour les chevaux qui ont besoin d'espace pour s'exprimer. Mais bon, il a gagné à Châteaubriant il n'y a pas longtemps, même un peu même tracé qu'à Argentan. Bon, alors c'est très relevé évidemment, c'est une épreuve d'IGNT, mais on pense qu'en fait il a son mot à dire. Vous souhaitez un déroulement de course particulier pour qu'il soit le plus efficace? Ah, il aime bien les courses électives, hein, donc s'il n'y a personne pour aller devant, bah, je peux y aller. D'accord, voilà, il a besoin de personne, quoi. Ah, ouais, il a déjà prouvé ça.